pour Mrs. Marie-Christelle. Oui, on va donc prendre notre citation du jour. D'accord. Mr. Kevin Lindell, let's have the lyric writings. Yeah. Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. On va reprendre. Yeah. Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. I don't know if I can get more explanation maybe from you. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. C'est vrai. How is that true? That's to which extent? Bon, tu sais, c'est mieux d'expliquer les citations généralement par des exemples. Ouais. Ça fait en sorte qu'on rentre mieux dans le... comme ça, j'aime les histoires des hommes et des femmes parce que je sais que c'est partie de ces histoires-là que vous-même, vous aimez ça. Donc, du coup, tu es avec un gars, vous vivez des trucs bizarres. Et toi-même, tu sais que tu es le CHAT du gars. Ouais, j'adore. Tu comprends un peu, non? Toi-même, tu es consciente au fond. Mais l'amour que tu as pour lui te fait rêver, te fait le voir comme ton futur mari, te fait le voir comme le futur père de tes enfants. Tant tu n'es que le CHAT. Tant tu n'es que le CHAT. Et les actes qu'il pose te font comprendre que tu seras même le minou. Donc, parce que tu sais que le chat, il peut servir dans le bongo, dans la mamie. Mais le minou, les os, même tu ne peux pas, ça ne te sert à rien. Tu comprends un peu? Au contraire, même. Donc, toi, tu sais que comme tu es là, tu es le minou du gars. Mais tu es là. Et voici et voilà, un des potes du gars en a marre de la situation. Parce qu'il voit tes efforts, il voit que tu l'aimes, il voit que tu entreprends, il voit que tu t'y mets. Il vient te dire que ma soeur, comme tu es là, le gars, si, ne t'aime pas. Ça t'énerve. Ça détruit tes illusions. Une fois, voilà ta vie de famille que tu avais déjà fondée qui est en train de tomber. Donc, du coup, tu préfères qu'on ne te dise rien. Et que tu vives dans ton mensonge. Voilà la fille qui a chanté « Je veux que tu montes. J'ai envie de me sentir unique, donc je veux que tu montes. » Si Singila vient lui dire la vérité là, qu'en fait ton front est long, elle ne va plus se sentir unique. Elle saura qu'en dehors d'elle avec les longs fronts, il y a Marie-Christelle. Pourtant, elle a envie de se sentir unique. Du coup, elle dit à Singila « Je veux que tu me montes. » Du coup, Singila lui dit « Tu as le front plat. » Tu comprends un peu? Elle veut se sentir unique. Si il lui dit la vérité, elle est déjà dans le... tout le monde là, non? Dans le pungamel, c'est comme ça que ma mère dit souvent. That's par contre, si on ne lui dit pas la vérité, elle aura toujours l'impression que c'est elle, c'est elle, c'est elle. And that's a fact, yeah, I fall perfectly in accord with Mrs. Marie-Christelle. Many people don't want the truth to be told to them. And I think that's one of the perfect examples to make you understand in which situation somebody is going to prefer to stay in the lies, okay? Most people, at a certain point, they lie to the point of lying to yourself. C'est un peu comme ces personnes qui se créent une fausse vie. Oui. On a toujours eu des amis comme ça, peut-être nous sommes au collège, il va te dire comment son père est X, sa mère est Y, son ceci et cela. En fait, la personne vit dans ses illusions. Et parfois, c'est pour fuir même peut-être la réalité. Donc parfois, même quand toi, un camarade, tu es au courant, si peut-être tu sais qu'elle habite dans une maison en terre battue, peut-être qu'elle vit dans une maison à l'étage, leave the person in the illusions, ok? Let the person be. C'est vrai, c'est à elle-même qu'elle fait du mal, tu vois. Ce n'est pas comme si la personne faisait du mal à quelqu'un d'autre, non. But the person is in an illusion. On va s'asseoir pour le Congo, ça, vraiment, il n'y a pas de limite. On fait vraiment le Congo, on sourit. Et moi, j'aime des moments comme ça, où je fais le Congo, ça, sur toi, je ris. C'est-à-dire, toute la journée, je peux passer mon sujet seulement sur toi. En fait, je ne t'ai pas demandé de mentir. Tu comprends un peu? Tu mens, c'est ton problème. Maintenant, quand moi, j'ai envie de rire, ne m'empêche pas de rire ou de commenter sur toi. C'est aussi de mon droit, tout comme tu as le droit de mentir. Et à la fin, ça tu n'as plus de personnalité, en fait. Tu n'es en fait, tu n'as pas. C'est pas comme si tu n'as plus. Tu n'as pas de personnalité. Because you're living between fake lives. OK? You're living between fake lives. Je vous ai dit ici une fois, je me suis retrouvé dans un couple parce que je croyais que c'était la fille d'un X. Pourtant, ce n'était que la fille d'un Y. Tout ça à cause du nom Louboutin. C'est ça. Pourtant, ce n'était que la fille du Y parce que you come with a Louboutin show in my house and it's written only Louboutin. And on your family, on your name is Louboutin, and you are the skin of the Louboutin family. How won't I believe?
Ce qui entretient encore ces mensonges. Voilà. C'est ces histoires de téléphone avec les filtres qu'on a. Oui. Parce que tu vois aussi quelqu'un dans le téléphone, tu accroches. Marie-Christelle. Maintenant, vois la personne en face. Je t'assure que le réalisateur et moi, on a découvert une application ce week-end. Voilà. Que si on met ça dans ton téléphone, tu deviens une influenceuse en deux jours. Mais je veux être... Non, Mrs. Marie-Christelle. Ah, Jésus-Christ. Like, your picture is being retouched at its fullest. Mm-hmm. You start resembling to a Barbie doll, whereas you are simply... Après, quelqu'un n'a plus le courage de se regarder lui-même en face. Voilà. Après, quelqu'un n'est plus... Les maisons où il n'y a pas les miroirs, là. Tellement tu as déjà utilisé toute ta vie, c'est le filtre. Tu ne t'acceptes pas. Ah, et c'est ça l'illusion. Ah, c'est-à-dire, ton téléphone te fait accepter le mensonge que tu veux entendre, alors que ton miroir te dit la vérité. Maintenant, achète le vrai miroir. Mm-hmm. Parce qu'il y a aussi les miroirs qui sont un genre... Qui te montrent... Un temps, ton miroir te montre tu es grande, de taille et mince. Un temps, tu écoutes... Je me regarde comme ça, je suis convaincue que... aller faire Miss. Mm-hmm. Dès que j'arrive chez ma mère, me voici la paume à couper. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, il y a ça. Acceptez-vous tel que vous êtes. Moi, l'histoire de filtre, là, c'est à cause de ça que j'ai envie de changer mon téléphone pour finalement prendre un iPhone 13. Parce que, tu vois, c'est seulement pour les photos. Parce que dans ton iPhone, au moins, tu peux dire, je ne mets pas de filtre. Tu peux décider de ne pas mettre de filtre, te filmer, ça te montre ta vraie l'image nature, réelle. Tu vois un peu. Par contre, on a nos téléphones ici que si je cite le nom, tu achètes, c'est déjà filtré au départ. Au départ, donc tu ça ne te demande pas. Tu essuies la caméra, tu fais n'importe quoi, ça ne te pose pas de questions. Je veux que tu sois beau, je veux que tu sois comme si on te lave seulement avec le lait. Ouais. C'est comme ça que ton téléphone impose que tu sois. Donc voilà qui publie ça sur Facebook. On te yamo là-bas. Le jour du rendez-vous, la personne ne vient That's jamais. That's terrible. En tout cas, les amis, on adore. So, let's think on this. Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Mm. Bon, that is a simple truth, okay? So, as Marie-Christelle and I said at a certain point, be truthful to yourself. Because this is living with the fear of not being capable of facing yourself. But when you are in, comment dire, quand tu es en communion avec toi-même, quand tu acceptes la situation, je veux dire, moi j'aime beaucoup les gens qui vivent dans la précarité et qui sont fiers de parler de ça. Ok, c'est pas facile pour quelqu'un de te dire que chez lui dorme peut-être assis sur un matelas. Attention. Non, Marie-Christelle, moi je l'ai fait. Hein. On dormait en sardine. Toi, tu dormais même sous les bâches. Eh, oui, c'est ça. J'étais. On dormait en sardine. Like this is a mattress. Four people will sleep like this straight. Now two people will sleep on the feet. Ok. Maintenant, quand tu as grandi, quand on voit que toi tu ne peux plus bien dormir, on te remplace. Toi, tu dors sur le lit. La personne qui écoute sur le lit vient maintenant dormir ici parce qu'on veut pas. We don't need long people over there. And when you live in such a life. You should not be shy or en fait tu n'as pas avoir honte de cette vie. It's your life. Your parents didn't decide. You didn't decide. Nobody decided for you. Be happy into that. And when you come out happy after that, les gens t'envient même plus tôt. Oui, okay? Quand tu es sorti de là, parce que j'ai envie de dire, tu n'as pas besoin d'être content d'une vie de précarité. Non, tu l'as cherché. Non, en tout cas, la vie de tout un chacun, c'est quoi? Le meilleur. Hein? La meilleure vie, on va dire ça comme ça. So, when you're living in that condition, ce qu'on veut, c'est que ne te manque pas. Ne dors pas là, tu dis que tu viens de dire aux gens que tu dors sur un lit, et ma soeur. Hier, je mets une photo de mon fils en statue. Ouais. Et je mets les mots qui éclatent de rire. Et il me demande pourquoi tu as mis ça. Ouais. Je lui dis c'était pour couvrir la rigole. Parce que n'importe comment on va vivre dans certaines situations, mais la photo se veut être quelque chose de beau, quelque chose de plaisant, c'est pour ça qu'on retouche quelque les chose d'attirant. Tu comprends un peu? La photo ne veut pas que tu sois dans les Ouaribouanes. Tu te filmes devant les Ouaribouanes parce que tu es content de ta situation, de machin, de machin. Mon fils, il est beau, il est propre, mais je le filme et puis je constate qu'il est placé devant une rigole. Du coup, pour couvrir la rigole, je mets des... Sinon quoi? On ne va plus regarder celui que je veux présenter. Les yeux vont partir. Tu vois un peu dans la rigole, non? Terrible. Ce n'est pas comme si je fuis la réalité. Nous tous, on sait que Yaoundé est bondé de poubelles. Mais tu veux juste donc, que la personne photo soit ne belle. Va faire maintenant comme s'il ne connaît pas la poubelle. Mais je dis, on va être dans une situation où on accepte, mais on n'est pas fier d'être dans cette situation. Seulement... Il est important de ne pas s'inventer une vie, c'est ce que Peter veut dire. Donc Peter n'a pas envie de dire que comme vous vous mangez seulement le couscous maïs sous forme de bouillie, de soupe, de ceci, soit content de ça. Peter dit que ne pas filmer la gambasse de quelqu'un. Et tu viens mettre en statue et faire comme si c'est ta part. C'est différent.